On va arracher quelques mots à Junior. Qu'est-ce que tu as dit? Ce que j'ai à dire, je te remercie beaucoup. En fait, tu as fait une grande chose pour moi. Ce que je n'ai jamais vu de ma vie. Grâce à toi, je suis délivré. Ça, c'est une première chose. Première chose, tu es délivré. Ouais. Grâce à toi, merci. Tu es délivré de quoi? Je suis délivré de la sorcellerie. Mm-hmm. Parce que je gâtais la vie des gens. Mm-hmm. Et grâce à toi, j'ai le droit de. Au plus que je vais recommencer ce que je faisais, mm-hmm, grâce à toi, tu as fait et je ne vois plus et tout est bloqué. Tu ne voyages plus là-bas, voilà. Tu ne vois plus la sorcellerie. Mm-hmm. Je te remercie par là. Et encore, je n'avais pas d'habit. Grâce à toi, tu as payé de la vie pour moi, pour ma vie. Donc, tout ce qui j'ai appris de Dieu. Oui, mon noir demain peut le sac comme il fait nuit, tu les as dit. Je te remercie que Dieu a qu'à faire de savoir toujours la chance. Ouais. Parce que Jésus va faire pour un an. Ouais. Ce qui a. Ok, maintenant, moi je te dis aussi, il ne faut pas me décevoir. Moi, je décide d'être ton père. Il ne faut pas me décevoir. Il ne faut pas décevoir Jésus. Et ça, la vie, on est en train de donner une chance pour que tu puisses reprendre vie, goût à la vie. Mais en même temps, il faut montrer à tes parents. Je n'ai pas d'être contre eux. Il faut leur montrer que toi, Junior, tu n'es pas fait pour être dernier. Tu n'es pas fait pour être vaurien. Que tu es appelé à être quelqu'un demain. On mettra tout. On mettra tout pour t'aider. On te donnera tout. Tous les moyens possibles. Où tu peux aller à l'école. Moi, c'est ma bataille. Je ferai tout ça pour que tu sois à l'école. Il faudrait que je montre à tes parents que l'étape de la sorcellerie est finie et que tu peux encore être grand. On mettra tous les moyens possibles pour que tu sois grand. Donc, en même temps, il ne faut pas me décevoir et je compte sur toi. Shalom.